après-midi. Faut qu'il fasse une sieste obligatoire. Tu veux casser, là, tu veux l'après-midi. Ben, je te sers. Tu répètes jamais avec lui. Bon, et les cuissons sont pas égales parce que... Elle est embrochée. Pendant que les autres dormaient, mon oncle, lui, il avait sa petite ligne, il se faisait les maquereaux. Et il revenait avec plein de cagettes de maquereaux. Et lui, il surveillait les lampes. Donc il faisait double paye. Pas pressé de te dire, ouais, je dois faire ça, machin, les kilos, autant de kilos. Mais... à tout cet univers solo percu que des positions moi je pense ouais après tu enchaînes sur on enchaîne sur percussion guitare c'est ce que j'avais mis moi solo seul percu au début après guitare et là ça fait un bloc 3 par exemple on a intermède par exemple après je pense que ça moi j'aimerais bien essayer celle que j'avais écrite oui pour voir, parce que lui il va le lire de suite, s'il peut faire. On le fait quand il vient. Je pense à certains sons d'accordéon que je connais, qui fait, ouais. Qui sont vachement doux et sans trémolo, sans rien, tu sais. Ouais. Un son droit, pur, un truc un peu qui est, tu vois. Ouais. Ça peut être très, très droit, comme ça. Qui fait... Et là-dedans, moi je double, toi là tu vois. Et là on a la totalité, parce que ça va aller vite. Hein. Si on développe bien ça, on prend le temps et tout, on a une... Par contre, le genre Festina machin, là, quand on le drive... Non, mais il sera pas, parce que on peut pas dire grand-chose là-dessus. Le final de quatuor, je vais faire des petites cloches, des trucs. Il faut le temps aussi de laisser. Si je vais me servir de voix que j'avais fait préparer, que j'ai pas utilisé pour la musique du regard. Il n'y a pas un truc qui pourrait s'enchaîner musical dans thank you.
Ouais, je peux laisser les voix, les machines derrière. Tourner. Parce que moi, après tout ça, il faut que je le traduise à un nombre de fichiers, si tu veux. Ouais. Après, on peut très bien envoyer à ce moment-là, une fois que tu as fait ton désert, ton truc là, guitare. À un moment donné, tu fais guitare, désert. C'est possible? C'est-à-dire, tu fais ta guitare, tu vois, dans le silence, dans le truc, tu vois ce que je veux dire? Et une fois que tu fais, je sais pas, 2, 3, 4 minutes, tout ce que tu veux. À un moment donné, tu passes à désert. Et à ce moment-là, je peux te rejoindre avec. Ou pas, tu finis tout seul avec des airs. Et après, moi j'enchaîne sur le grégorien. Plus la bande là, tu envoies la bande. Là, on peut faire par exemple. Alors, c'est prêt? Ouais. C'est juste une histoire d'ordre là en même temps. Ah, c'est le plus important ça. Eh oui. Oh, oh. On est en train d'attaquer la stratégie. Ouais. Et il n'y a pas d'entraque? Non. Non. Bah, vaut mieux pas que ça perturbe. Ouais. C'est elle qui t'a plu le plus. Ça là, elle allait bien. Alors Jeanne, cette chapelle, elle vit? Elle vit, oui, sûrement. Patrimoine vit. Mais j'ai toujours pensé que la culture aidait l'homme à grandir. Et donc on a essayé de faire vivre notre patrimoine en accueillant des artistes. Hein. Et des artistes que j'ai rencontrés avant et des artistes amis. Il a fallu construire, bâtir, reconstruire. Ça a été une très longue histoire. Hein. D'abord, il a fallu obtenir le classement par les bâtiments de France, enfin, classement monument historique. Et à partir de là, avec les architectes, la reconstruction a pu avoir lieu, en commençant par le toit jusqu'au plancher, et en refaisant des portes là où il n'y en avait plus et rebouchant les portes anciennes qui avaient été créées après la Révolution. C'est notre public qui vient les yeux fermés parce qu'ils ont confiance dans notre programmation. Ils savent que nos amis sont solides, sérieux et veulent faire partager la musique ou le théâtre ou des documentaires aussi. Et donc veulent faire partager et faire découvrir à notre public qui est des habitants du Conflent, des habitants du village ou de Perpignan. Bon, il y a quelques touristes aussi qui reviennent. C'est contemporain, c'est pour ça que j'ai intitulé le concert « Concert peu ordinaire », parce que mon public n'est pas habitué à voir ce concert-là. Bon, ils ont l'habitude de voir Thierry en percussion accompagner l'orchestre médiéval, Del Sorimonda ou les troubadours art ensemble. Mais bon, ils vont découvrir un concert peu ordinaire. Ah, je ne pense pas, non, parce que de toute manière, elle sait à qui elle a affaire avec vous, donc on ne prend aucun risque. Et puis, notre public sait qu'on fait toujours de la qualité. C'est peut-être un peu présomptueux, mais c'est un peu la vérité. Allez, maintenant, passons à table et buvons un coup. Qui c'est que t'as eu ça? Au Carrefour. C'est excellent. Moi je prépare le barbecue moi, avec le livre. On a chacun une fonction. Ah. Moi je fournis l'électricité. Non, on poussera un peu. Attends, je suis bien là. Tu n'as pas besoin de pousser.
Bon, superbe. C'est cool. L'alternance. Ah oui, il y avait une. On a fait la bande avec les gouttes, là, finalement. Bah, c'était là, c'était ça. Ouais, on le fait, mais c'était pas trop long. Comme tu veux. Et là, tu pourrais jouer avec moi, donc. C'est du coup. Parce qu'on avait dit que je faisais un accord frigé, non, je sais pas. Ouais, c'est bien ça. Donc, le festinet, moi, je le fais pas très long. Ouais. Et après, si tu veux jouer sur le festinet, c'est bien aussi de jouer, hein, comme tu le sens. Hein. Je crois qu'il faut qu'on soit ouvert. C'est ça le festival. Ouais. Donc là, c'est les gouttes. Hein. Alors là, d'abord, il y a quand tu raccordes. Festival, c'est quand tu raccordes. Quand tu vois. Et à un moment donné, quand tu arrêtes le truc, il y a les gouttes. Mais c'est possible d'enchaîner. Ouais, ouais. Et ouais, tu peux le faire. Que tu t'arrêtes, je prends le temps de couper. Bah, c'est génial. Poum, j'envoie les gouttes en remontant. Je peux finir moi si jamais t'as un problème. Et puis, voilà, et voilà. Il reste le grégorien et la boucle d'Herbouka. Et il y aurait des pièces d'ordi à mettre aussi. Là, par exemple, en 7, tu pourrais faire un truc ordi. Ordi guitare ou que ordi? Ce que tu veux. Parce que moi, comme ça, je me prépare au grégorien. D'accord. La boucle en derbouka, là, comme faisait quand tu joues. Sur 9 Oula, En 9. En 9. Là, on a derbouka. Bon, je vais baisser l'imam quand même. Quand je trouve que l'imam, c'est pas trop le lieu. Chaque fois qu'on est dans une église, je lui mets l'imam, il me dit ça. C'est pas gonflé, moi, l'imam. J'ai rien contre les arabes. Hein. Non. Il l'a mis dans les CV. Jouer avec. Avec la Ouija. Waouh, oula. Oh, c'est pas pareil. C'est toi qui vas jouer. Attends, reste, attends. Et après, vous allez à Chicago, non, c'est ça? Non, Boston, Philadelphie, après on fait New York et puis Philadelphie. Ouais. Alors ça, c'est le premier thème. Et après, on enchaîne avec le deuxième ici. Ah, là, je vois qu'il y a comme. Ouais, là, il y a une indication. Voilà. Ça, c'est parce que Jean-Paul arrive. Particulière. Donc, on a fait quelques petites. Hein, ouais. Et là, c'est le final. Ouais. D'accord. Voilà. Ça va aller? Ouais, sympa. Il est arrivé Jean-Paul? Ouais, il s'exerce sur un peu les parties parce qu'il m'a dit tout à l'heure qu'il ne voyait pas. Il bah, tu lui passes les miennes alors.
Bonsoir, donc nous ouvrons ce soir la saison des concerts d'été pour les rencontres culturelles de Riquet, par un concert peu ordinaire. Mon public n'est pas habitué à ce genre de concert, mais je pense que vous allez être surpris, bien surpris et passionnés.